Alors, voilà, sur Parc Fortnite, le spot de rêve numéro 83021. Donc, attention au spot de rêve, hein. Principale caractéristique du spot de rêve, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Bon, ici on a quand même la chance dans le Jura d'avoir la 4G, une bonne réception internet, donc, et du satellite. Voilà. Bon après, inconvénient de ce site, je vois pas trop, hein. Franchement, il doit bien y en avoir. Attendez, je vais chercher un peu. Ah si, il est orienté est. Ça fait que vous avez le soleil. Hop. Ici. Lever du soleil ici, à l'est. Donc vous avez le soleil, le matin. Donc si vous êtes matinal, ça va, sinon. Si vous comptez passer une longue soirée en terrasse, ça va pas être possible ici. Et en est, là on doit être à peu près à 500 mètres d'altitude, il fait relativement assez froid. Bon après, attention, hein, ça reste un spot de rêve. Donc assez isolé. Et on comprend pourquoi on est tout seul ici, car pour arriver jusque-là, il faut faire au moins 5 km de route particulièrement étroite, qui croisent pas partout. Enfin bon, le vrai spot de rêve, quoi, hein. Voilà, on a ce point de vue pour nous tout seuls. Bon, ce matin, il y avait bien un cycliste ou deux qui sont passés, des motos aussi. Voilà les amis, ça c'est The Spot de rêve. Ah, moi je... ça m'assoit, tiens. Voilà. Bon bah, on prend un petit café. Bon alors, je vous rappelle hein, les principales caractéristiques du spot de rêve. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de poubelle, rien. Il faut rien, ni WC, ni rien. Il faut juste avoir le frigo bien rempli et quelques bières au frais. Voilà. Ça, c'est du spot de rêve. Bon, après, un petit peu de... On n'est pas contre un petit peu de 4G et puis de... pour Internet. Et puis, un petit peu de satellite, hein, quand même. C'est quand même pas plus mal. Enfin, voilà. Hein, les principales caractéristiques sont là.